Champagnole, un nom de village très agréable à prononcer. C'est la halte que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Nous sommes en Charente-Maritime, à 13 km exactement au sud-ouest de Pont, à la rencontre des Champagnolais et des Champagnolaises. Pourquoi vous tenez absolument à le faire vivre, ce vélodrome? C'est notre enfance. C'est le seul en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une histoire, ce vélodrome. Il y a une histoire. Les coureurs professionnels qui participaient au Tour de France sont venus de nombreuses reprises et sur cette piste en herbe. Et finalement, c'est ce qui a fait toute la renommée de ce vélodrome. Donc vous voulez faire une grande fête, c'est ça? Une grande fête, essayer de refaire un petit peu ce qui se faisait à l'époque, où les coureurs dînaient sur place ce soir, essayer d'attirer un maximum de spectateurs, parce qu'il y avait jusqu'à 3000, 4000 spectateurs. Mm-hmm. C'était impressionnant. Donc voilà. Nous, on va l'essayer tous les deux. Hein. Oh, mais ça roule tout seul. Ça roule tout seul? Oui, vous allez voir. À partir de l'âge de 14 ans, je suis rentré dans le vélo club de Champagnole avec les anciens, j'allais coller les affiches. Et après, j'ai pu quitter, voilà. On s'essaye cette piste? Allez, on est parti. On y va? On va faire le tour complet, ouais. Oh, ça va quand même, je m'attendais à pire. Hein. Ça mouline, ça va? Ouais. C'est bon? Ah oui. Mais la piste, oui, je suis né là, ça a toujours été important pour moi. Vous l'avez toujours vu en face de chez vous? J'ai vu dans ce pré-là, j'ai vu Fausto Coppi. Ouais. J'ai vu Louison Bobet, j'ai vu le champion du monde. Et on a vu les vainqueurs des 6 jours de Grenoble. J'ai vu Anquetil, j'ai vu Rivière, ouais. Gimignani, j'ai vu Vincent Bergen, et beaucoup d'autres. Ça, c'est que des noms que je connais pas, moi. Roger Rivière, tout ça, c'est des grands champions de vélo, quoi. Les années... De course? Oui. Que vous avez vu passer ici? C'est-à-dire que tous les champions de la piste et de la route, Bobet, ouais, ils sont passés à Champagnole. D'accord. Ils ont contribué à la célébrité de votre terrain et de votre village. Bien sûr. Et vous en êtes fier? Ah, moi, très fier. Ému même, on le sent. Oui, mais vous avez raison, c'est normal d'abord. Je vais finir par me casser la gueule, moi. Ah, mais faut. C'est spécial, hein? Ouais, c'est spécial. Cette plantation est en bio, parce que la parcelle était en bio depuis 2016, ouais. En conversion, c'était des céréales, en conversion bio, et donc j'ai décidé de la planter en vigne, donc bio. Donc l'entretien se fait mécaniquement, ouais. Donc là c'est par des intercepts, par une culture de sol. Donc c'est plus de travail pour ceux qui exploitent? Ah oui, parce que c'est un beaucoup passage, plus de travail. Oui, c'est plus de travail, oui, beaucoup plus de travail. Pourquoi avoir fait ce choix de culture Mais on se rend compte que tous ces produits sont pas forcément anodins, quoi. Ouais, on a un impact sur l'environnement. Et oui. Sur la santé aussi. Oui, voilà. Et sur la santé, oui. Et donc c'est ici que vous stockez? Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous avez là dans toutes ces cuves? Donc là, il y a du vin rouge. Ouais. Celle-là, il y a du vin rosé. Ouais. Donc, celle-là, c'était une fabrication de pinot. D'accord. Il est en fût. D'accord. Et ça, il y a du pinot rouge. Le fameux pinot rouge. Voilà. Fleuré. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, on nous demande beaucoup sur les marchés, déjà au niveau environnemental, enfin au niveau... qualité du produit, si on traite beaucoup, tout ça. Donc le fait d'être en bio, ça sera plus facile. Bon Guy, là on est vraiment au cœur du bourg, en face de nous la mairie, à gauche l'église, on est au cœur de Champagnole. Ah, au cœur de Champagnole, oui. Bon, est-ce qu'on est heureux à Champagnole? Parlez-nous un peu de cette commune. La commune, oui, ça se passe très bien. Parce que un petit village comme Champagnole, on a connu deux épiceries qu'il y avait, deux mécaniciens automobiles, il y avait trois forgerons mécaniciens agricoles. Ah oui. Alors oui. Et ça c'est fini. Et puis ça maintenant c'est fini. Hein.
C'est quoi vos activités? Ah bon, moi, l'activité, bon, c'est surtout mon jardin. Les asperges, qui commencent à être vieilles maintenant. Ouais. Là, voilà les poireaux, vous parliez tout à l'heure.